Oui. Voilà. Alors, c'est pas vite aujourd'hui. C'est un des dossiers. Et puis le dossier qui est un peu majeur sur lequel il y a un des plusieurs charolais, c'est le moteur de gaz. Les égalines, la zone d'Abel, la OP, ça c'est le ils ont mis 55, ils ont mis 54 pour enfin s'afficher. Ah non, mais... Son papa parle avec le premier ministre. Là d'ailleurs, voilà, il fait sa petite photo là, plouf. Là, il reprend une photo, ça c'est très important. Bravo, c'est pionne de carte. Allez, on va parler. Je pense que le roi va finir. Mais on se disait, mais où il va être? Moi, je pensais que vous avez un petit peu. Mais nous, en tant qu'artisans, on est capable de la balancer. Pourquoi? Parce qu'on veut là. C'est pour ça que la formation est dans le métier. Je fais tout le plat, moi. Allez, on va préparer, hein, parce que j'arrive, moi. Allez-y, n'hésitez pas, prenez du champ. Tour de rôle, la belle rouge. Vas-y, mange un peu. On va regarder bien. On va pas les faire ça. D'ailleurs, si vous voulez, c'est des bêtes qui sont élevées avec un cahier des charges respecté au niveau de l'élevage. Derrière, on a en plus une garantie puisqu'on a un contrôle par des organismes indépendants. Donc on a des bêtes qui sont élevées à l'herbe, élevées sous la mer, etc. Et au niveau de la viande, derrière, on a une maturation qui améliore au niveau de la beauté. On a vraiment de la viande de qualité et qui en plus est bonne pour l'environnement. Je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment faire la différence entre toutes les viandes. Et elle est bonne pour le goût. Et elle est bonne pour l'environnement et pour les éleveurs aussi. Allez, elle est bonne, bah oui. Merci. Sur la gouvernail savonnée aux études de territoire. C'est un peu dur hein, de ce boulot là. Oui, c'est ce que je voulais. Et avec madame. Vous n'avez pas été là quand même. Non. Parce qu'on va voir un jour, je suis tombé sur un tel. Non, en Normandie. En Normandie, parce qu'il y a beaucoup de pédicules. Même dans le Nord, on en a dit. Bon courage. Merci, toi aussi. Bon, bah écoute, là, on aura une seule poignée de main. Juste un élément de ce Premier ministre, c'est que si on invitait le président Simental 3, donc on a invité la filière de déco sur notre stand de race, parce que c'est la continuité de la sélection qui permet de faire des très bons produits sur notre territoire. Pour faire un selfie, monsieur. Il y avait un double message ici sur ce chez nous, on a des politiques qui font leur travail. C'est le département qui nous a aidé à faire ça. Voilà. Oui, mais contrairement à chez vous. Mais oui, contrairement à chez vous. C'est pas très délicat de ma part. C'est le cas de département. Ça, c'est chez moi. Je suis venu le coordonner pour le fromage à la distribution. Pour commander à Matignon. On peut mettre au bout. Oui, mais même pour vous personnellement. On peut mettre au bout deux. Petit coup.
évidemment, c'est éteint, toi, caméra, mais c'est l'émotion, c'est le petit bonjour. Allez, allez-y, 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 moi, j'aurais pu être, mais... Non, on en refuse, parce que madame a essayé de prendre la photo, elle n'a pas réussi. Madame, du coup, elle se dit, je vais sur la photo. Madame qui vient de vous dire que vous ne travaillez pas. Ah oui, moi, je vais venir aussi, non. Oh, voilà. Voilà. Très bien. Parce qu'il y a tout le monde. Bah, tous ceux qui sont présents, les autres sont présents. Il y a tout le monde là. C'est important. Voilà. C'est bon, même essentiel. Bon. Allez, merci, bon. Beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Moi, je repasse. Voilà. Ce monsieur-là, Alors, où est-ce qu'on avance? On avance. Pardon, bonjour monsieur. Bonjour. Allez, allez. Je recule. Allez, j'interviens. J'espère que cette année, vous allez repasser voir un proche. Salut. Ça va? J'espère aussi. Conseil du président, conseil départemental. Vous avez mon élu qui est là. Bonjour, merci beaucoup. Ça va? Bonjour. Très bien. Ok, c'est pas tout. Bonjour, ça va bien? Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous voulez sentir la vanille de Mayenne? Oui, absolument. Parce que j'aime ça, parce qu'il faut valoriser l'agriculture dans tous les Outre-mer. C'est un énorme sujet, et c'est un sujet qui n'est pas assez pris en compte. Le ministre l'a bien en tête, la ministre des Outre-mer aussi. Tout ce qu'on peut faire pour valoriser le développement agricole, l'excellence agricole dans les Outre-mer est bienvenue. Donc ça, on est à fond les manettes là-dessus, si vous me permettez. C'est une façon de se rattraper peut-être après le rallye. Voilà, bonjour monsieur, l'excusez. Coordinateur de l'Opado, donc de l'établissement public, en service de l'Opado. Et où le président est là? Le président. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un panier, un entraille pour l'ensemble des dons. Pour l'ensemble des dons français, donc c'est un panaché de ce que propose les dons. Alors, panane au miel, sirop de canne. Tiens, c'est sur les de la pâte de piment rouge, ça c'est les voleurs aussi, du sucre. Voilà, donc un établissement public qui est présidé par un professionnel, on en est assez fiers, parce que c'est aussi un lieu de concertation, avec l'ensemble des DOM, donc on a ouvert notre conseil d'administration cet après-midi, qui va présider M. Berthaud, qui est président de la Chambre d'agriculture de Martigny. Ah, voilà les autres. Mais, on va le montrer. Sur les caméras, là. Donc on est sur un petit pierre-miquelon, un petit velouté de carottes au crabe des neiges avec des cibles. Ah, tu connais un pierre-miquelon? Voilà. Tu connais? Merci. On va goûter. Il y a pas du star. C'est quoi ça? C'est du jus de fruits. Alors. Pardon? Non, c'est fini. Ça va, on va goûter. Moi je vais goûter.
c'est une préparation Alors là, c'est salé. Donc ça vient de sa pierre à Miquelon, c'est du crabe des neiges avec crabe des neiges. Avec un velouté de carottes. Un velouté de carottes. Mais t'as vu qu'il n'y a pas que du. Et donc juste à côté de Ramon. Ah bon, juste alors, c'est un flatteur là, je crois qu'il s'en donne un flatteur. C'est tout juste fruit. Ah d'accord. C'est bon. Voilà, donc petit établissement public, on est 40 personnes, mais surtout organisme payeur, des aides de la française. Ah bon. Et qui surtout est une notion de service à l'ensemble des Outre-mer. C'est ça.